En fait, là, ce sont les reliques de l'usine de potasse qu'il y avait. Il y a eu une explosion. Franchement. Waouh. On dit que c'est la potasse qui a recouvert la forêt. D'où les branches qu'on voit là. C'est... Bon. Maintenant, prends cette allée là-bas. Il dit qu'il y a une grotte là-bas. On verra juste les photos. Qu'est-ce qu'il a eu là-bas? Oh, il est là, il arrive. Il est là-bas. Mais il y a quelque chose de magnifique là. Et... ça, c'est un château. Ouais, c'est un château. Ça, c'est qui fait les bords là, vraiment? Ça. C'est beau, hein? Bon, on va aller tout en haut là-bas. Pour descendre. Enfin, je sais pas si on va redescendre, mais je pense qu'on va redescendre. On va monter là-bas. Comme ça, on aura toute la vue. Ok, let's go. Christian a refusé. Mais c'est magnifique. Oh là là. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Sérieusement. Une ligue française. Il y en a un peu moins de sens. Tu sais, Christian... Non, Christian a refusé, au fait.
Parce que nous, on a habitué, on s'était blessé là, tout ça. C'est parce qu'on avait escaladé. Et il y a du sable mouvant qui va vous sortir. Nous, on s'est enfoncé, mais après, heureusement qu'on avait des cordes. On t'a attaché à 2 mètres de chacun. Donc quand l'autre s'enfonce, on est obligé de le tirer. Mais non, nous avons remonté ici, au fait. Mais moi, je suis venu après, sinon mes parents ne savent pas. Mes parents savent seulement que tu es sorti pour aller à l'église, non? En fait, là, ce sont les reliques de l'usine de potasse qu'il y avait. Voilà. Mais prends ton temps, hein. Prends ton temps, Ali. Il y a eu une explosion. Pourquoi il y a du métal aussi? À certains endroits, il y a du métal. Voilà, maman. J'ai tenu en mon temps. Donc, pour descendre, ça va être compliqué pour descendre. Non, doucement, doucement. Vas-y, regarde. Doucement. Oh. Je suis arrivée. Oui. Attention ton téléphone. Donne. Je mets dans sa poche. Bon, on y est. En bas. On était en haut là-bas. L'ancienne ligne de chemin de fer avec les rails juste là. Les rails tombent. C'est bon, sympa, cool. C'est bon. C'est où? Ça va. Oh là 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 là. Au moins, on a suivi le chemin. J'ai vu les retombées. On a marché pour arriver. J'ai vu les retombées. Ici. T'as vu les retombées. En tout cas, c'est moins joli en caméra. Touré Kiki La Wanda, you done a good job.
comment ça se passe? On y va. Hello people, c'est bien sur ma chaîne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, on t'entend bien. Bon, on est dans un endroit différent. Bon. En ce moment, on est déjà à Malemba, c'est ça non? Malemba. Donc on est là pour, sur un site touristique qui est dans le village en fait, qu'on appelle Malemba. Et il y a cette rivière et cet endroit magnifique qu'on vient visiter. Grâce à des tours qui sont organisés par Aquaba et puis bon, je vous mettrai les infos ici, vous allez lire. Et aussi, donc on est dans le Mayombe, voilà. On est dans le Mayombe, on a traversé une partie du Mayombe et ensuite on a traversé un chemin de terre qui était l'ancien trajet du chemin de fer. Enfin, un ancien, il y a encore des rails. Et voilà qu'on est arrivé là. Donc déjà en fait la tournée elle a consisté en deux parties. Il y a la première partie que vous avez vu tout à l'heure. On était au glacier où il y avait l'ancienne usine d'exploitation de potasse. Et c'est un endroit magnifique. J'ai juste adoré les fins marbre qu'il y avait sur le sol. C'était bizarrement beau. C'était bizarrement beau. Et ensuite on est arrivé là pour passer du temps. Pour découvrir et c'est un endroit qui est extrêmement différent. Donc voilà, ça change un peu de tout ce qu'on voit un peu dans la ville et tout. C'est un plus. Donc généralement ces tournées sont organisées, je crois, une fois par mois, c'est ça? Une fois tous les deux mois, voilà. Donc vous pouvez les contacter pour vous enregistrer et être au courant des différentes visites qu'il y a au fur et à mesure. Après, ils sont sur Instagram, aussi Facebook, je pense aussi. Donc il y aura les informations pour les voir. Mais c'est vraiment top. Ce que j'aime avec cette tournée, c'est qu'on a tout, en fait. Tout. On aura à boire, à manger, le transport. Mais il y a aussi des accidents. J'ai perdu ma chaussure. C'est déjà ça. Mais bon, c'est la fin, il ne reste plus grand chose en fait. On est là jusqu'à la fin de la journée et puis on est là pour s'amuser d'abord. Avec une des longues journées tendues qu'on a, c'est déjà ça. Après, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de l'endroit. Est-ce que vous pourrez y venir? Est-ce que... Et puis, est-ce que ce genre d'environnement vous intéresse ou vous voulez juste voir l'intérieur du quartier et tout? Bon, là, on n'est pas dans un quartier, on est quand même en de Pointe-Noire, etc. Donc, je vais m'arrêter là. Le reste de la vidéo sera vraiment juste en train de regarder autour. Je ne vais pas être là en train de filmer. J'aimerais que vous puissiez passer du temps aussi et que moi aussi j'en profite. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Donc, il y a plein de moustiques. Enfin bref, donc voilà, allez, à toutes. Dans ce village de Malemba, c'est un village de l'ethnie Yombé. Donc tous les disciples d'Onvouti, c'est l'ethnie Yombé. Ici aussi, c'est les Yombé qui sont là. Mais il y a d'autres amis qui sont venus d'autres départements. Ils sont venus vivre là. Et qu'est-ce que nous faisons à Girard, à Malemba? Vous savez, ici, il n'y a pas de société. Nous n'avons pas de société. On se débrouille seulement des travaux champêtres. Aujourd'hui, avec le sillage, avec un peu d'orpaillage. Et c'est comme ça que la jeunesse de Malemba vit. Nous sommes à près de
de 17 km du district d'Ombouti, c'est-à-dire partant de Malemba. Et je pense que la prochaine fois que vous viendrez ici, il serait souhaitable que vous arriviez au chef-lieu. Que vous voyez monsieur le sous-préfet, parce que avant que je vienne ici, avant que vous veniez, je suis allé le voir. Je lui ai dit, ah, moi je vais recevoir des touristes qui vont venir visiter la tour du Mayom. Et aujourd'hui, voilà, mais lui, il est empêché, là, en ce moment où je vous parle, il est à Brazzaville. Il est à Brazzaville, je ne sais pas quand est-ce qu'il pourra revenir. Mais au prochain voyage que vous viendrez, même si ce n'est pas pour ici, mais vraiment, je souhaite que vous allez voir monsieur le sous-préfet, parce qu'il aura plus à vous dire par rapport à ce site. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer. Da 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 da